Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Quel est le message? Super-héros, héroïne. Partager. Bon, est-ce que c'est la suite des tirages précédents? Là, on est rendu au partage. Tantôt, dans les tirages précédents, je percevais le vouloir prendre, prendre tout. Là, on me parle de partage. Continuons d'explorer. Vouloir partager, on est prêt à partager. La carte du partage aussi. Bon, attendez un peu. On commence à changer d'énergie. Partager, c'est comme si on n'a plus le choix de partager. On n'a plus le choix. On est rendu... Écoutez, on dirait qu'on est rendu là. On n'a plus le choix de partager. Bon, il y a quelque chose de lourd dans l'énergie aujourd'hui. Je ne sais pas ce que c'est, ce qui se passe. Ici, la carte, les pensées sombres, c'est très possible ici qu'on reçoive une communication, un appel, un message d'une personne qui ne va pas bien. Bon, ici, on me présente la tente et la carte de l'ombre. On attend pour faire face à la réalité, pour sortir de nos peurs. C'est la carte qui nous encourage ici à faire face à la réalité. J'ai rencontré le double. L'énergie du double, de la dualité tantôt dans les tirages précédents, dans les deux tirages. Double, double visage, double dualité. Là ici, est-ce qu'on est prêt à rencontrer son ombre, à accueillir son ombre? Le jumeau, la jumelle. Et ici, c'est l'attente. Je me sens alourdie. Autorité à l'envers et la carte du long chemin. La carte de l'ombre représente, peut représenter le côté mal aimé de soi, celui que l'on veut oublier. Celui que l'on veut projeter, que l'on projette probablement sur les autres parce que c'est trop difficile de reconnaître ses facettes en soi. Donc, on les projette sur les autres. Ici, la carte de l'autorité à l'envers me parle de quoi? Et le long chemin. C'est la carte qui représente l'énergie du masculin, du père. Ici, on me parle d'un contrôle fort. C'est une personne qui gère tout. Ça fait longtemps que cette personne contrôle tout, gère tout.
L'autorité est malsaine ici. Elle ne prend pas en compte les besoins ou de l'autre. Ou... Non, on dirait que c'est l'énergie encore d'une personne centrée sur elle que je rencontre. Bien là, ici, on arrive à la fin là, du chemin. Je vous le dis, c'est quelqu'un ici qui gère tout. C'est l'énergie du masculin, c'est la carte qui représente le masculin, énergie du père. Mais là, à vous de voir, parce que c'est la carte qui représente les qualités ici du chef, du leader. Ma carte est à l'envers. Je rencontre une personne, je pense que je préfère dire une personne, qui a un contrôle très fort. Et là, d'après moi, on arrive au pied de la croix. Ici aussi, c'est comme si on est rendu là, au bout du chemin. Et là, bien, il a fallu se rendre là pour s'ouvrir à partager. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne très centrée sur elle, très narcissique. Mon Dieu, est-ce que c'est moi? Je pourrais penser à le PN, pervers narcissique, au féminin, au masculin. Cette énergie est très, très présente aujourd'hui. C'est une personne ici qu'on me présente qui fait preuve d'une telle rigidité d'esprit. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui gère tout. Là, on dirait qu'on va entendre parler de cette personne. Communication, échange. On est rendu au bout, là, au bout. Il y a quelque chose de lourd dans les jeux aujourd'hui. Je vous le dis, perte sur le plan financier, matériel. On dirait qu'il a fallu se rendre au bout, au pied du mur pour ouvrir et dire « Ok, je vais te donner ». J'ai vraiment l'impression d'être avec une personne centrée, là, très narcissique. C'est vraiment pervers narcissique. Je pense que je suis en contact avec le thème. Il a fallu, on dirait, se rendre au bout. Il n'y a plus d'issue ici. Et on me présente... la perte sur le plan financier. Ici, ombre et attente. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est très lourd dans l'énergie, je peux vous le dire. Je me sens vraiment là. J'ai beau reprendre mes forces. Mais c'est très, très prenant, très évident. Fondation et réalisation à l'envers. Fondation et réalisation à l'envers, on dirait qu'on va perdre la maison, j'ai l'impression de rencontrer l'énergie de la faillite ou... Si c'est la perte. Je ne sais pas avec qui on était associé, il y a l'énergie du groupe ici. Fondation et réalisation, mais on dirait que la fondation en prend un coup là, en ce moment. L'ombre. On ne voit pas ce qui se passe.
et je rencontre la peur concernant la carte d'un projet de groupe. Et la carte de l'union. Association, partenariat. Complice. Investissement, maison, on dirait qu'il y a énergie de perte ici. On s'en va vers ça. On dirait que j'arrive au pied du mur. Voyons. Et que là, je n'ai plus le choix de changer quelque chose. On arrive au pied du mur. Et là, OK, on est ouvert là, maintenant à partager. Et ici, c'est la carte du nouveau projet de cœur. Ou un nouvel amour qui nous fait signe. C'est l'énergie du partage là, qui est là. On dirait qu'il a fallu se rendre au bout. Au bout du prendre tout. On dirait que je rencontre l'énergie d'un enfant, d'un jeune enfant, là, à la phase de, au moment où il ne veut pas partager. Mais on dirait que c'est ça que je rencontre. Et là, j'ai chaud. On est rendu à vouloir partager, collaborer, coopérer. Nouveau projet. Projet de cœur, partager. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une personne ici qui n'est pas facile à rejoindre. Réjouissance et fête. Bon, cette personne fait bien des rencontres. Quoi d'autre? J'ai l'impression d'avoir les membres faibles aujourd'hui. Comme si j'avais un... On dirait que j'ai... Je sais pas, comme un... Je pense que je dois être rendue là à la fin du chemin. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a une telle rigidité d'esprit. Une personne qui contrôle tout. Le contrôle est fort, qui gère tout. C'est la carte de l'empereur. Mais mon empereur est à l'envers. Son autorité est malsaine. C'est une personne, on dirait, qui fait tout ce qu'elle veut. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Comme elle veut. On dirait qu'elle ne prend pas en considération les autres. Réjouissance et fête. On fait des rencontres. Ici... Les gens d'affaires. On dirait que je rencontre une... Ici, c'est la carte qui me dit l'argent circule, mais en ce moment, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne circule pas bien. On arrive peut-être à la fin d'une entreprise ou... Il va falloir revenir à la case départ. Ici, je rencontre une personne. Autorité malsaine. Comme on le dit, cette personne, je me sens affaiblie. Sans tête à construire sur quelque chose, même si elle le sait, qu'elle risque d'être mise en échec. C'est une personne têtue qui veut tout contrôler, qui va se rendre jusqu'au bout pour gagner son point. Bien ici, il va falloir revenir à la case départ.
On dirait qu'elle perd ses associés, qu'elle perd. C'est une figure d'autorité, quelqu'un qui aime mener, tout contrôler à sa façon. Me, myself and I. Gens d'affaires, argent, ça circule, avocat, médecin, les gens d'affaires sont là ici. On est en business. Mais là, on dirait que cette personne est en train de se retrouver seule. Il y a une perte d'argent. Il y a effondrement de la fondation. Ce sont les énergies que je rencontre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'air aujourd'hui, mais je peux vous le dire. C'est lourd. Succès triomphal. Ici, c'est une personne qui veut gagner à tout prix, qui est prête à se battre, qui lutte. Je vais gagner. Je vais gagner ma cause. C'est vraiment l'énergie pervers narcissique que je rencontre. Lutte, combat. On dirait que j'ai le cerveau qui va m'éclater. Ici, cadeau à l'envers. Je pourrais penser ici que cette personne n'est pas un cadeau. C'est difficile d'endurer cette personne. Tout un caractère. Tout un caractère. On dirait une ancienne mentalité. Non, elle n'est pas du tout du genre à donner. C'est vraiment encore l'énergie du prendre. Je vais prendre tout ce que je peux. C'est une figure d'autorité qui abuse de son autorité. C'est une personne qui veut tout contrôler. Ça revient encore. Et ici, on me présente Partagé et le super-héros. Bon. Est-ce que j'ai besoin? J'ai les poignets, j'ai les membres affaiblis. Je ne sais pas si on me présente une personne d'un certain âge, mais je me sens faible. On dirait que ça fait longtemps là, que c'est attendre son heure, quelque chose qui revient encore, revenir à la charge. C'est vraiment l'énergie du pervers ici. On revient à la charge, on lâche pas le morceau. C'est une personne qui veut gagner sur tous les plans, qui n'utilise pas son discernement ou je ne sais pas, qui n'apprend pas. On dirait que c'est une personne fermée, qui n'apprend pas des autres. Une personne fermée, rigidité d'esprit, qui n'a pas encore appris, retirer des leçons de ses expériences. Et qui ne veut pas en retirer. C'est une personne qui veut faire. C'est vraiment pas reposant. C'est vraiment pas reposant. Ce n'est pas fini ici. Ici, je rencontre une personne qui lutte encore. Non, ce n'est pas terminé. L'épreuve n'est pas terminée. On est encore dans des énergies de combat. On dirait que c'est vraiment le jeu ici, l'énergie du pervers narcissique. Et ici, on me présente Partagé en super-héros. Bon, par curiosité, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La famille. La famille. Union, liens familiaux, rassemblement et amitié. Là, on nous présente la famille en... La famille idéale. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter.
Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Bien là, ici, on dirait qu'on veut nous faire réfléchir au partage en ce qui a trait à la famille. Et en ce moment, en ce jeu, ouh, ici, j'ai rencontré, non, ici, c'est une tête forte là, qui veut tout gagner, qui est prête à lutter jusqu'au bout. Non, cette personne ne se rendra pas. Elle est prête à lutter jusqu'au bout. Et c'est quelqu'un qui a une autorité malsaine. Ici, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement. Ici, on a perdu, ici, possiblement. On dirait qu'on perd et, ou on décide vite de changer d'orientation. On va s'ouvrir à... Ici, le cœur est là, là. Il y a eu un changement. Mais on dirait qu'il a fallu perdre pour apprendre. Ici, on est encore en lutte. Je vous dis, c'est pas facile aujourd'hui. Bon, bien, je vais prendre une pause. Je vais prendre une pause ici. Je vous souhaite une belle journée. Bon courage.